Bonjour les amis, voici un booster de cartes Magic The Gathering de l'édition Ikoria, la terre des Behemoths. C'est une édition qui est sortie le 15 mai 2020 et qui comprend 274 cartes plus 98 cartes extra. Donc on a sous les yeux un booster en version originale, donc en anglais, de l'édition normale, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des cartes extra à l'intérieur dans certains boosters. Donc on va ouvrir le booster pour découvrir ce qui compose. Surtout, on va découvrir en même temps le logo de cette famille-là, Ikoria, la terre des Behemoths. Alors, en anglais, c'est l'Heir of Behemoths. Voilà. Donc, alors, on va le faire à l'envers, ça va être plus simple. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes. Donc, on suppose qu'ici, on a le jeton. C'est du classique. Donc, voilà le jeton. Vous voyez le logo de la famille en bas à droite. Human Soldier. Alors c'est bien sûr, c'est des cartes en VO, hein. Petite précision, ce sont des cartes en version originale. Donc on va aller prendre les communes, une par une. Deux. Spontaneous Flight. Pacifisme, Anticipate, Suffocating Fumes, et là, la neuvième, est-ce qu'on en a? On en a neuf! Ah, donc c'est une bonne nouvelle, neuf communes, donc ça veut dire qu'il va y avoir une carte, une commune foil. Une carte foil dans ce booster, une commune ou rare, peu importe, on verra tout de suite. Allez, on va faire durer le suspense. Donc ça, c'est les unes communes. Ce qui est protocole. Et là, on arrive à... On va peut-être prendre la rare en premier. C'est parti. Hop, on a Cube Warden en rare. Voilà, on continue, on a un terrain, donc c'est du classique, hein. Et donc derrière cette carte, il va y avoir une carte foil, c'est automatique puisqu'on a 9 communes, donc la carte foil c'est, ou la carte, hop, oh! Slasher Octopus, c'est une rare foil extra, showcase, donc on peut voir que l'image c'est sur la totalité de la carte. Voilà, on ouvre un booster et on est gâté, une carte magnifique. Voilà, donc c'est bon, on a eu un bon coup de chance là. C'est pas dans tous les boosters qu'on peut retrouver une carte. Alors en plus, une rare foil dans ce booster. Donc c'est vraiment pas mal.